Alors, monsieur Saint-Gelais-Tremblay, on est au Musée d'art contemporain, puis on est à côté d'une œuvre assez particulière dont l'artiste est Riopel. Mais le musée, le pourquoi qu'on a cette œuvre ici, c'est que le musée vient de recevoir un don. C'est un don important, comme vous le savez. C'est un don qui nous vient de plusieurs années de labeur, de travail, de recherche pour l'obtenir. Alors, on est très content qu'elle soit enfin arrivée ici. C'est une œuvre importante de Riopel aussi, semi-abstraite, qui fait appel à l'imagerie animalière de Riopel. C'est une œuvre importante parce qu'elle a fait partie de la joute, la célèbre joute dans le parc olympique à Montréal. Il y a quatre grandes pièces qui constituaient, c'est la joute, et les autres sont tous dans des endroits, dans des grandes institutions nationales. Alors, finalement, qu'elles s'en viennent ici au Musée national, au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, bien, ça reflète un petit peu l'importance que ce musée prend. Il s'ancre avec cette œuvre, il s'ancre dans l'imaginaire culturel du Québec. Le titre de l'œuvre, c'est? C'est l'œil de poisson. Oui. Alors, c'est une belle pièce dont je suis vraiment fier qui s'ajoute ici vraiment à notre collection et qui nous rappelle aussi, puis c'est un lien important, qui nous rappelle que Riopel a fait sa dernière grande exposition en 1998 ici, au centre, alors que nous étions au centre d'exposition. Alors, Riopel, de son vivant, parce qu'il est mort 2 ans après. Alors, donc, d'avoir cette œuvre de Riopel, ça nous rappelle tout ça. Il y avait un lien affectif avec Riopel. Je vous le dis, je suis très ému aujourd'hui parce que pour le musée, c'est important d'avoir des œuvres qui identifient tout le caractère particulier du Québec, avec les plus grands noms. Alors, avec un grand nom comme Riopel ici, bien écoutez, je pense que ça positionne le musée, je me répète là, ça positionne le musée comme une grande institution. On le savait, mais disons que ça le confirme. Je vais vous demander de vous rapprocher. Oui. Je vous laisse la place à l'ordre. Qui dit don dit donateur. Oui, donateur, elle nous vient de M. Champlain-Charest. C'est avec ce monsieur et qu'on a travaillé ce dossier-là avec M. Brodeur et avec la conservatrice du musée, Mme Patricia Aubé, qu'on a travaillé ce dossier-là pendant les dernières années pour en arriver à répondre aux attentes du donateur, parce qu'il voulait qu'elle soit accessible, il voulait qu'elle soit présentée dans un environnement de qualité. Alors, on a travaillé ça avec lui, et puis il faut croire qu'on l'a satisfait, puisque maintenant, l'enfant est arrivé à la maison à destination. M. Charest est quand même un proche du musée. M. Champlain-Charest connaît très bien notre musée, a déjà prêté des tableaux ici lors de différentes expositions. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'était un grand ami de Riopel, c'est un grand restaurateur, c'est un grand mécène, c'est quelqu'un d'important dans l'histoire culturelle du Québec et on est très heureux de s'associer avec M. Champlain-Charest. C'est quelqu'un d'important dans l'histoire, justement, dans la vie de Riopel. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises et quand on parle de Riopel avec M. Champlain-Charest, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et de passion. Alors, cette sculpture-là révèle la passion de Riopel. Présentement, on peut la voir parce qu'on vient tout juste la recevoir. C'est un cadeau qui est tout chaud. On peut la percevoir à l'intérieur du musée, mais sa vocation future va être de la rendre publique. Nous voulons l'insérer dans l'art public de Baie-Saint-Paul. Elle sera installée en permanence sur le parvis du musée avec un éclairage tout à fait particulier, de sorte que les gens, quand ils vont passer le soir, vont pouvoir l'apercevoir, la voir, la chérir, l'aimer, et puis s'en faire un ami. Alors, c'est le but de l'art. L'art, ce n'est pas quelque chose de caché qui n'est pas accessible. On va la rendre accessible, c'est le vœu du donateur aussi, et elle sera près des gens.
Elle fera partie du quotidien des visiteurs, comme elle fera partie du quotidien des résidents. Moi, je pense qu'avec le temps, cette sculpture va devenir très emblématique de Baie-Saint-Paul. Alors, Riopel, un nom quand même connu internationalement, toute pièce aujourd'hui, on l'évalue toujours, outre le fait que ce soit tel artiste, ça a une valeur assez importante. Ah, bien, écoutez, c'est toujours différent. J'aime jamais mettre des chiffres comme ça parce que c'est comme si on disait demain matin, la Joconde vaut 50 millions. Ça fait un petit peu mercantile. Mais disons que ça vaut plusieurs millions. En fait, je pose la question parce que le musée n'aurait pas eu les moyens de se payer ça. Le fait d'avoir un don de cette valeur-là, c'est assez inestimable. On l'a dit, c'est un donateur. Alors, et on enrichit notre collection. Et c'est comme ça qu'un musée se positionne comme institution. Parce que plus sa collection est forte, plus sa collection est d'envergure, plus un musée devient attrayant pour des visiteurs, pour les gens de la région. Alors, vous savez, je le dis souvent, on a eu l'occasion souvent de se parler, M. Charest. Depuis 15 ans, la collection du musée s'est il y a au moins 1 million d'œuvres qui s'est ajouté à chaque année pour une valeur d'un million chaque année depuis 15 ans. Alors, vous comprendrez qu'on commence à avoir une collection absolument extraordinaire qui va justifier un jour ou l'autre un agrandissement de ce musée pour que ces collections soient vues, parce que c'est bien beau d'acquérir des œuvres, mais on acquiert des œuvres pour qu'elles soient vues et qu'elles soient rendues accessibles au public. Là, actuellement, le musée est quand même relativement grand, mais bon, on change les expositions. On n'a pas toujours l'occasion de présenter dans des salles permanentes notre collection. On le fait surtout dans la salle du sous-sol en bas. Là, on a une exposition qui est depuis 7 ans qui est consacrée à l'histoire du symposium, avec des œuvres du symposium qui sont présentées en rotation. Alors, il y a une nouvelle exposition permanente qui va débuter à l'automne, qui va mettre en valeur la collection du musée. Mais ce n'est pas suffisant. C'est évident que ça nous prend d'autres salles pour présenter ces collections-là, qui sont d'une richesse culturelle, tant pour Baie-Saint-Paul que pour le Québec. Je pense que c'est un patrimoine national qu'on a. C'est un patrimoine qui dépasse largement les frontières de Charlevoix. Et le Riopel qui est ici sera probablement en avant comme un phare pour dire aux gens, bien, regardez, il y a des œuvres extraordinaires ici. Rentrez et venez visiter ce musée. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. Et on invite la population à venir voir ce chef-d'œuvre de Riopel. Qu'elle soit présentée dans la halle d'entrée. À l'extérieur, elle est dans la halle d'entrée. Les gens peuvent venir la voir, se l'approprier et puis venir visiter l'exposition de Marcel Ferron entre-temps qui se poursuit jusqu'au début de juin. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Martin Ouellet. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici au Musée d'art contemporain pour vous avoir dévoilé que vous êtes le nouveau directeur. Effectivement. Alors, si vous voulez me parler un peu de vous. Oui. Bien, alors, je suis quelqu'un qui est un amoureux de la région. Écoutez, ça fait au-dessus de 15-20 ans qu'on vient un mois et demi par année, la famille. On est toujours... Vous êtes originaire de quelle région? Là? Montréal. Montréal. Et puis, on adore ça. Alors, c'est comme ça que... Ensuite, je suis devenu administrateur du musée. Et c'est comme ça que, écoutez, de fil en aiguille, bon, ce poste-là, c'est avec grand intérêt que j'ai postulé. Et puis aujourd'hui, bien, je suis content. Je suis l'heureux élu, comme on peut dire. Et qu'est-ce qui vous a intéressé à ce moment-là au niveau du poste de direction? Écoutez, je suis un passionné d'art contemporain. Je suis un collectionneur, un amoureux de la région. Le musée, pour moi, c'est le produit d'appel de la région, ça amène du monde. Je pense qu'avec l'expérience professionnelle que j'ai acquise dans les années au fil du temps, puis comme administrateur du musée aussi, on va pouvoir continuer à grandir et à offrir des expositions de qualité. Mmh. Les défis pour vous, ce serait quoi? Il y en a plusieurs, c'est ouais. Sûr, parce que, vous savez, le musée, c'est un produit attirer du monde, c'est ça le vecteur, tu sais, c'est un produit d'appel en même temps, mais on veut tout le temps augmenter des revenus autonomes, puis faire venir plus de monde, faire des expositions de qualité.
C'est ça qui est difficile. C'est des beaux défis, par contre. C'est des, ouais. Des beaux défis que je vais compter relever avec mon équipe. Okay. Au niveau des arts, est-ce que vous avez une certaine expertise, une expérience? Oui, bien sûr. Évidemment, comme collectionneur, c'est pas une expérience comme traditionnelle, un historien de l'art ou quelqu'un qui est muséologue. Mon expérience est plus l'œil du collectionneur. J'ai travaillé pendant 9 ans en culture pour Québécois dans cette division livre. Et c'est des compétences qu'on peut dire qui sont transversales, compte tenu du fait que je travaille dans le financement, et même la SODEC, le Conseil des arts, etc. C'est vraiment très comparable. Alors, c'est pour ça que... Puis l'art, bien, comme collectionneur, écoutez, c'est ma passion. Ouais. Alors, je peux m'allier les deux. Le travail, ça va devenir ma passion. Est-ce qu'on peut dire que le musée ici, à Baie-Saint-Paul, est en bonne... santé financière? Tout à fait. Ouais. Ça a été dit lors du dévoilement des états financiers ou du rapport annuel. Le musée va bien. C'est un musée qui fait beaucoup avec peu. Et puis, il fait... écoutez, on va dans la région, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent au musée toutes les années. Et puis, quand c'est le symposium aussi, ça attire beaucoup de gens. Et c'est tellement important pour Baie-Saint-Paul et pour toute la région de Charlevoix. Le musée, ça représente énormément. Puis ça va bien. Ouais. Le dossier d'expansion envers l'ancien collège à l'arrière. Oui. Qu'est-ce qui est, comment vous en parlez? Ça, je ne peux pas commenter pour le moment parce que c'est un dossier qui est en cours. Puis honnêtement, je ne suis pas encore en place. Je n'ai pas pris connaissance de tout le dossier, mais évidemment, je sais qu'il y a des choses qui devraient aboutir. Mais pour le moment, je n'ai pas l'information à divulguer parce que j'en ai pas, en toute honnêteté. Alors là, votre prochain défi, votre prochain grand défi, ce serait quoi? Bien, écoutez, je commence officiellement le 2 avril. On va travailler avec M. Tremblay, directeur général actuel. On va mener les dossiers à terme, les dossiers en cours. Là. Il y a tout ce qui se passe cet été. Ensuite, il y a le symposium. Il y a aussi, on va mener ça à terme. On va, dans le transfert de compétences, on va travailler ensemble justement pour prioriser ce qu'il y aura à prioriser. Puis ensuite, dans le futur... je pourrais mener mes dossiers à terme. Et là, c'est là qu'on va voir mon influence dans les prochaines années. Mais à court terme, on est dans la continuité. D'avoir le poste comme ça de direction, est-ce que vous avez certaines appréhensions? Non, j'ai juste beaucoup de plaisir. Et ouais. Écoutez, c'est un musée-là, je l'adore. Et je pense que la région, les gens de la région adorent ce musée-là aussi. Et c'est pour ça que c'est une des raisons qui m'a poussé à venir ici. Je suis un amoureux de ce musée-là. Et ça ne changera pas. M. Ouellet, merci. Bonne chance. Merci beaucoup.